Des produits d'hygiène pour soulager le secteur de la santé durement éprouvé par le coronavirus, c'est le don fait par la Fondation Jigi. Il a été réceptionné par le directeur de cabinet du ministère de la Santé au plateau, Régis Kofi. Des masques, gants, gel hydroalcoolique et autres produits d'hygiène offerts au ministère de la Santé dans la lutte contre le nouveau coronavirus ce mardi 28 avril 2020 au plateau. Ce don, réceptionné par le directeur de cabinet du ministère, provient de la Fondation Jigi, qui répond à l'élan de solidarité lancé par le gouvernement ivoirien pour faire face à la pandémie de coronavirus. Dans le cadre donc de la lutte contre le Covid-19, nous sommes là au nom de notre CEO, M. Marc Koulibaly, pour participer de façon modeste à cette lutte-là en faisant un don d'une valeur globale d'environ 2 millions. Votre contribution n'est pas modeste, elle est importante, très importante. Parce que c'est au niveau effectivement des valeurs. Lorsque la maison brûle, on ne cherche pas forcément cette fameuse boisson, la couleur verte et à l'eau pétillante, pour l'éteindre. Toute eau permet effectivement de faire baisser la flamme et éteindre. Merci beaucoup. Je m'engage au nom du ministre de la Santé et des Publics à faire de telle sorte que ce don que nous venons de recevoir soit utilisé de manière efficiente. Jigi signifie espoir en Bambara, un dialecte d'Afrique de l'Ouest, et agit en Côte d'Ivoire à travers l'entreprise E-Tech. E-Tech qui intervient notamment dans les nouvelles technologies et l'hôtellerie. Fin de ce 19h, merci de votre fidélité. Le coronavirus est réel, protégeons-nous contre cette pandémie en respectant les mesures barrières. Très bonne soirée, je vous retrouve demain.